La fille escaladait la rambarde pas à pas. La moitié de son corps penchait dehors. Elle essayait de ramasser la poupée qui était tombée. Elle était sur le point de tomber dans l'escalier. Heureusement, un voisin l'a attrapée et arrêtée à temps. Et l'a ramenée immédiatement à un endroit sûr. Mais la maman de la fille était déjà décédée. La fille jouait avec des ballons près du fer. Bientôt, la fille a remarqué que le fer fumait. Curieuse, elle a tendu la main et l'a touchée. La chaleur l'a fait pleurer. Bientôt, la fille a eu faim. Elle a mis une part de tarte sur la cuisinière pour la réchauffer. Mais elle ne savait pas comment l'éteindre. Et le feu continuait de brûler. La fille a ouvert le réfrigérateur et a continué à chercher de la nourriture. Et elle est entrée dans le frigo. Elle a secoué le réfrigérateur et a réussi à en sortir. Le robinet de la cuisine était resté ouvert. L'eau s'était répandue dans le salon. Les fils électriques étaient exposés. La fille marchait pieds nus. Elle aurait pu être électrocutée à tout moment. À ce moment-là, la fille a mangé les somnifères par terre comme s'il s'agissait de bonbons. Elle les a avalés un par un. Bientôt, la fille était allongée par terre. Elle est tombée dans le coma. Le soir, le père de la fille est rentré à la maison. Mais il ne pouvait pas trouver la fille. Finalement, il l'a trouvée sous le lit. La fille a finalement été sauvée. Mais sa maman était partie pour toujours.